Salut tout le monde et bienvenue pour cette dernière partie de la rétrospective Masters of the Universe dédiée au film live. Et je vous propose de le visionner ensemble et en accéléré. Avant cela, quelques explications s'imposent. En 1986, suite à l'effondrement de la franchise, Mattel décide de nous sortir une version live pour rebooster un peu l'ensemble. De la pure heroic fantasy. Il faut dire que le genre commençait à se démarquer avec des titres comme Excalibur, Conan le Barbare, Krull ou encore Legend. Fort d'un budget de 20 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal pour l'époque, le projet se veut être un grand blockbuster. Pour vous donner une petite idée, Robocop et Predator, qui sortent la même année, ont un budget d'environ 15 millions de dollars. Même si l'environnement utilisé n'est pas ruineux, Running Man, environ 25 millions de dollars. Les films de fantasy que j'ai précédemment cités tournent dans ces eaux-là. Willow, qui sortira l'année suivante, présente un budget de 35 millions de dollars. Le souci, c'est que la création d'Eternia nécessite quand même de forts investissements. Notamment pour faire voler Orko et animer un Kringer digne de ce nom. Il y a l'environnement, les décors, les costumes, les maquillages. C'est donc tout un univers qui doit être créé et ça chiffre très très vite. Les films d'heroic fantasy à grand spectacle, même à l'époque, nécessitent quand même une bonne dizaine de millions en plus pour faire quelque chose de cohérent et créer un univers nouveau. L'Histoire sans fin, en 1984, a bénéficié d'un budget de 27 millions de dollars. Et malheureusement, même si le budget est quand même confortable, le petit manque de 10 millions va se ressentir dans les choix scénaristiques. La tâche n'était donc pas simple et en relisant certaines interviews, il y avait une réelle envie quand même de bien faire. Le titre est donc produit par Canon Group, de Golan et Globus, deux noms pas très sérieux, synonymes aujourd'hui des plus gros nanars, mais la société a quand même sorti quelques films célèbres, voire même une pépite ou deux. Pas toujours très bon, et au milieu de gros navets, il faut le dire, mais ça compte quand même. Citons dans le très correct Alan Quaterman, Over the Top, et surtout, Highlander, premier du nom. Certains sont devenus cultes. Sachez qu'ils ont aussi sorti Delta Force, Cobra, Superman 4, hein, très moyen, et Cyborg, qui réutilise les décors prévus pour la suite des maîtres de l'univers. Pour porter le film, les producteurs font appel à Dolph Drago Lundgren. Alors franchement, c'était pas un mauvais choix, et l'acteur était plutôt enthousiaste à l'idée de reprendre le rôle, mais cela ne s'est pas vu dans son jeu d'acteur. À la réalisation, on retrouve le célèbre Godard, qu'on ne présente plus, un réalisateur français de talent, connu pour Pierrot le Fou notamment, qui... Attendez une minute. Ah non, c'est pas le bon en fait. Hein. Les maîtres de l'univers, c'est Godard avec 2D. Gary de son prénom. Bon bah lui, il a rien fait en fait. Ah si, il a créé ça. Captain Power et les soldats du futur, la même année d'ailleurs. Captain Power et les soldats du futur. De l'incroyable bio-armure qui transforme chaque soldat en une véritable force d'attaque. Bon, à noter quand même pour la petite histoire que Jean-Luc Godard, le français, hein, a bossé pour Golan et Globus hein, en 1987, la même année, en réalisant King Lear, une adaptation de la pièce éponyme de Shakespeare. Il y avait de quoi se tromper, non? Mais revenons sur Eternia. Du coup, le budget étant réduit, cela va fortement impacter le film, et notamment l'idée de transposer toute l'histoire sur notre bonne vieille terre. Et ça, c'est la première décision what the fuck qui va plomber le film avant qu'il sorte. Bah, pour vous donner une idée, imaginez Conan, je sais pas moi, à Paris. Ça vous donne envie ou bien? Bah non, bah là ils ont fait pareil. Musclore, à Los Angeles. Ou ailleurs, mais enfin on s'en fout, c'est aux États-Unis. Heureusement, Godard a réussi à imposer l'idée que le film puisse débuter et finir sur Eternia. Pour le reste, vous verrez bien dans le résumé qui va suivre les conséquences de tout ça. C'est parti! S'élève le château de Crâne Gris. Oh, bon sang, ça commence une minute de film et bam, le château de Crâne Gris. C'est n'importe quoi. Il est où le château des ombres là? Le château des ombres, c'est pas Crâne Gris. Stop, Inaman, ne commence pas ta mauvaise foi. Tu sais bien que Crâne Gris est la traduction littérale du nom anglais Grayskull. Le château des ombres est purement une invention française. Ah ok, Musclor, pas de souci, t'as raison. Du coup, vu qu'ils font de la traduction littérale, ils vont t'appeler Il-Homme? Ou en fait, c'est comme ils veulent?
Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. Mais en vrai, ils l'ont vraiment fait pour certains noms, comme Man at Arms, hein, qu'ils ont traduit littéralement par l'homme arme. Mais bon, c'est pas grave. Alors notez quand même que le château est plutôt pas mal, hein, c'est une peinture, et c'est la seule fois qu'on le verra d'ailleurs. Allez, on enchaîne avec le générique bien kitsch annonçant le casting. On sent l'influence de Superman, sauf que là, c'est quand même moins bien fait. On découvre alors la musique de Bill Conti, hein, qui a quand même fait Rocky, L'étoffe des héros, Karate Kid, mais là, visiblement, il vient se perdre là-dedans. En même temps, ça montre quand même l'ambition du film. Bon sang. Je regarde Star Wars ou les maîtres de l'univers, là. On peut ne pas avoir de budget, d'accord, mais on n'est pas obligé de pomper non plus, hein. Nous bloquons toutes les entrées de la ville. Le château est sous bonne garde et... Ah oui, alors là, direct, dans Grayskull, paf, pas un seul combat, rien, c'est la prise directe du château. Bon bah au moins, on traîne pas, on va découvrir d'entrée Skeletor. Hein. Avant cela, vous avez quand même Meg Foster dans le rôle de Evil Lynn, dit Malicia. Elle est connue d'ailleurs pour ses yeux très clairs. Et attention, voici Skeletor. Quelle tronche. Il est où le Skeletor ultra charismatique qui fait flipper là les orbites sans pupille? Putain, et il y a des cosplays d'amateurs qui sont mille fois mieux faits que ça. Bon, on découvre également la sorcière blanche qui, visiblement, a pris 30 ans par rapport au dessin animé. Puis c'est quoi ce fond? Elle sert à quoi la sorcière blanche en fait? C'est un personnage super important de la série et le costume, mon dieu, on dirait une ampoule de guirlande de Noël en fait. Bon, Skeletor fait sa petite annonce, 3 minutes de film, Blitzkrieg, notre ami méchant se prend pour Mélenchon et découvre le pouvoir de l'hologramme ancestral. Et voilà notre héros, mesdames et messieurs, Il-Homme, qui se demande véritablement ce qu'il fabrique ici, hein. Ça se lit sur son visage. Allez, premier combat contre quelques soldats et déjà il a du mal. C'est quand même Musclor, non? Bon, remarquez dans la série, il fait pas mal de câlins, Musclor. Alors là, je m'attendais à pas grand-chose, hein. Mais un minimum de combat et de violence, peut-être? Alors par contre, la musique, hein, elle va pas du tout avec le combat. Ils auraient mis ça, que ce serait complètement pareil. Sur ce, notre héros se fait sauver les miches par le maître d'armes et Tila. Ah, quel sourire niais, bon sang. A noter que Tila est jouée par Chelsea Field, hein, la femme de Scott Bakula, Sam dans Code Quantum. Combien d'unités il vous reste? Pas beaucoup, on n'a pas de budget, Il-Homme, hein, donc pas de figurant. Puis notre héros sauve une sorte de nain répondant au nom de Gwildor, créé pour l'occasion, qui est l'élément comique du film remplaçant Orko. Alors pourquoi n'ont-ils pas utilisé le Garcimore d'Eternia? Eh ben tout simplement, je vous l'ai dit, pour des questions de budget. Continuons donc avec notre blondinet qui pose la question qui tue. Mais pourquoi es-tu si important pour Skeletor? C'est à ce moment-là que Gwildor les emmène chez lui car il habitait juste à côté. Pratique. Et il leur montre la clé cosmique capable d'ouvrir une porte vers n'importe où. Clé cosmique qui existe vraiment dans l'univers Musclor. C'est la plus unique des clés de l'univers. Une simple note de musique gavatonique électronique dans quoi? J'ai rien compris là. Vous êtes obligé de faire des rimes pour expliquer les trucs scientifiques? Peut-être Malicia. Elle m'a roulé. Elle a volé la clé. Alors attends. Tu viens de dire que la clé est unique mais que Malicia t'a volé la clé. C'est la plus unique des clés de l'univers. Alors celle-là c'est quoi? Bordel, 10 minutes déjà, et je suis perdu avec des incohérences. Bref, les Stormtroopers arrivent, et nos héros s'enfuient, et comme le hasard fait super bien les choses, il y a un passage secret qui les emmène sous le château de Crâne Gris. Où mène-t-il? Dans les grottes, sous Crâne Gris. Donc je résume là. On a un gars que personne ne connaissait, que ni Illman, ni le maître d'armes, ni Tila n'ont vu une seule fois dans leur vie, mais qui a une maison juste à côté du château, que nos héros doivent défendre avec un tunnel qui amène directement. C'est quoi ce bordel? Et lui c'est qui là? Cheveux de feu? Ah non, c'est Karg en fait. Il n'y avait pas suffisamment de personnages dans les jouets, alors ils ont créé un nouveau méchant, histoire d'avoir des personnages à vendre en plus, et je vous rassure, il est pas seul. Donc nos héros débarquent dans le château des ombres, il n'y a plus personne, on sait pas où ils sont passés, hein. Ils retrouvent la sorcière qui a l'air complètement shooté, ou aveugle, c'est selon. Et là, les méchants arrivent. Nos héros sont faits comme des rats, et bam, bataille de blaster, Musclor utilise son sabre laser pour dévier un coup de blaster. Bon, c'est ça, c'est comme dans le dessin animé, il faisait souvent. Et les Stormtroopers de Skeletor nous prouvent par leur qualité de tir qu'ils sont allés à la même école que ceux de Star Wars. Acculés, nos héros s'échappent grâce à la clé cosmique. Et débarque dans un nouveau monde. Et oui, la Terre et cette pirouette scénaristique permettent de faire toutes les économies de décors possibles. C'est ridicule, mais ça coûte quand même moins cher, et puis du coup, c'est pas la peine d'emmener Kringer. Hélas, nos héros sauveurs de l'univers ont perdu la clé, ces andouilles.
permettant ainsi, par le pouvoir de la débilité scénaristique, de faire avancer l'intrigue. Quand tout à coup, il découvre une forme de vie inconnue, le truc de malade. Alors c'est un passage chevelant drôle, mais c'est pathétique, d'une force, et on s'en fout complètement en fait. On se prépare à se séparer. Voilà, si jamais on se sépare, il vaut mieux synchroniser nos localisateurs. Vous êtes prêts? Ok, et si vous retrouvez la clé? Allez, on quitte nos héros pour retrouver Courtney Cox qui nous vient tout juste de Superminds pour nous abreuver de dialogues insipides avec son petit copain. Retour sur Tila, Duncan et Gwildor. C'est nul. C'est même pas un nanar, on s'emmerde. Il découvre le poulet qu'a sur Eternia, on mange pas les animaux. On en est là. Bon, c'est à ce moment-là qu'on apprend une histoire essentielle où Monica, enfin Julie, qui voulait voir la tombe de ses parents. Bref, elle est réconfortée par Kevin qui tente vraiment tout ce qu'il peut, le pauvre, pour pouvoir tirer son coup. Et puis il découvre la clé qui est arrivée là, on ne sait pas comment. Bien sûr, il l'actionne, hein, et permet à Skeletor de les localiser. La clé cosmique vient d'être activée. La prochaine fois qu'ils utilisent la clé, localisez la source et ouvrez une fenêtre. Et comme le copain de Courtney est un musicien, eh ben vous pouvez être sûr de la suite des événements. Montrez-moi ! Là ! Et ben voilà, ça a pas raté. Donc forcément, Skeletor les repère et ouvre un portail avec les 4 guerriers ultimes, dont 3 nouveautés créées pour le film. Beastman ! Ah, lui c'est un ancien. Blade ! Sorod ! Garg ! Mon préféré ! il me fait marrer. L'autre avec sa moumoute, là, on dirait Eddie d'Iron Maiden qui a croisé un mort-vivant sur le tournage d'Evil Dead. Si c'est pas du plagiat, ça... Fusion ! Ah ! Donc, les 4 guerriers de l'apocalypse débarquent et Courtney est tout apeuré. Non ! Non ! Prenez la vivante ! Vivante ? Mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de chercher une excuse pour ne tuer personne. Ce qui est complètement contraire aux ordres de Skeletor, en fait. Là, ils nous prouvent vraiment le summum de la compétence. Alors pour info, le fait de ne tuer personne est vraiment une intention scénaristique. Je fais ma mauvaise foi là-dessus, mais en fait, dans le script, on voit bien que le terme de « kill » est carrément supprimé des dialogues. Et il faut se rappeler d'ailleurs que ce film est d'abord fait pour les enfants. Hein. C'est un sujet sur lequel je plaisante souvent, certes, mais c'est une vraie intention scénaristique. Donc il n'y aura jamais de mort et trop de violence dans ce film. Bon, moi personnellement, à ce moment-là, je m'attendais à une vraie grosse intervention de Musclor, mais en fait, les 4 gros mercenaires sont même pas capables de rattraper une jeune fille sans défense. Et elle a même pas ses pouvoirs télékinésiques, ici. Et c'est ces gars-là qui ont conquis le Château des Ombres. Bon, cela étant, Musclor finit par arriver, hein. Calmez-vous, n'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. Mais oui, mais bien sûr, Musclor, elle vient de se faire attaquer par des cosplayers fous, et toi, t'arrives en slip avec une grosse épée, et de suite, elle doit te faire confiance. Ah bah ça marche, en fait, visiblement. Ok, d'accord, c'est pour moi. Bon, allez, deuxième combat de Musclor. Bon, Julie s'y met aussi, et en un tir, elle montre qu'elle vise déjà mieux que les Stormtroopers, pendant que Musclor, lui, se fait prendre par derrière. Un combat d'épée des années 80 se lance, comprenez, avec une très grosse chorégraphie, et les secours arrivent mettant les méchants en déroute. Pendant ce temps, Kevin n'a rien trouvé de mieux que de montrer la clé cosmique à son pote Charlie, qui en plus connaît la fréquence radio de la police parce que... Parce que... C'est un geek. Réponse A. Ta gueule, c'est de la magie. Réponse B. On n'a pas d'idée et il faut bien ramener la clé au lycée. Réponse C. Ou encore réponse D. Obi-Wan Kenobi. Et non, Orko, c'était la réponse 3. Alors retrouvons vite Kevin qui est retourné sur les lieux du combat, donc au lycée, où il retrouve James Tolkan dans le rôle du policier lubrique. Lubic, policier Lubic, qui débarque donc entre deux épisodes de Retour vers le futur et qui très clairement surnage au milieu de ce monticule de jeux d'acteurs ridicules. Les nullards reviennent bredouilles auprès de Skeletor. Ou plutôt broucouilles, comme on dit dans le bouchonnois. Nous nous sommes battus contre les Eterniens, mais ils étaient plus nombreux. Ah oui, plus nombreux, tiens. Alors toi, soit t'es un menteur, soit t'es nul en maths. Skeletor, pas content, il tue Sorod pour montrer l'exemple, car il plaisante pas. Donc ça sera le seul mort du film. Et il décide de renvoyer la troupe de Nullar, mais avec Malicia ce coup-ci. Je n'avais pas l'intention d'y aller aussi. Alors il ne fallait pas parler. Mais oui, bravo, Skeletor. Ça, c'est de la punchline. De retour sur Terre, Julie appelle chez elle et pas chez Kevin, et tombe par pur hasard sur Kevin. Je vous rappelle quand même que chez elle, il n'y a plus personne. Ses parents sont morts. Oh, juste une copine de Julie. Pourquoi il dit ça, lui?
Est-ce que c'est logique de cacher un truc pareil à la police? Je sais pas, moi, vous êtes envahi par des extraterrestres et la seule réponse que vous avez à tout ça, c'est de rien dire à la police? Bon, ok. Du coup, le flic, il est pas con, il joue avec la clé cosmique, histoire d'émettre un nouveau signal pour les méchants, hein, pour vraiment les aider à revenir. Ah, sympa le scanner, j'aime beaucoup, hein. Bon, là, on découvre que les nullards sont des gros menteurs, bravo Malicia. Ils étaient plus nombreux. Disons plutôt qu'ils étaient plus forts. Meilleure séquence pour moi. La clé cosmique est de nouveau activée, mais le micro-ondes des années 80 brouille les outils ultra sophistiqués des méchants, histoire de rajouter une séquence au film. Il brouille l'émission. Localisez l'appareil qui l'a brouillé et détruisez-le. Cela étant, cela n'empêche pas les vilains de débarquer auprès de Kevin qui profite d'un temps de répit pour faire un insert pub et qui est sauvé in extremis par Malicia. Bon, sauf que Lubick est parti avant avec la clé cosmique. Notons l'exceptionnel courage de Kevin quand même, hein. Tu as la clé cosmique, dis-nous où elle est. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Laisse-moi. Mais qui dans cette situation ne se mettrait pas à chialer des monticules de morve pour te donner le flic? Ils veulent te tuer, Kevin! Qu'est-ce que t'en as à foutre du flic et du synthé cosmique? Elle est où la logique, là? Ah, d'accord, c'était pour nous montrer qu'ils avaient un collier magique, obligeant à dire la vérité, bien sûr, histoire de grappiller encore quelques minutes. Et Kevin reste en vie avec le collier, tranquille. Dites donc, pour un groupe de mercenaires devant tuer tout le monde, sauf Musclore, ils sont pas très efficaces quand même. Quelques temps après, les gentils sauf Kevin, qui s'énerve et qui veut comprendre, et on le comprend. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on va me dire ce qui se passe, hein? Bon, les héros s'en vont avec la voiture volée, par Gwildor, quelques minutes avant, et vont plus vite que le vaisseau ultra-futuriste des vilains. Ils retrouvent la clé et se préparent à subir un assaut terrible, mettant leur vie en jeu. Oh ma parole, est-ce que vous auriez des emmerdes? Mais oui, Lubick! Fous-toi de leur gueule, ils vont tous crever! Le canon des méchants arrive en toute tranquillité dans les rues de la ville, sans aucune police, ni armée, hein, tout va bien. Gwildor, dans un moment d'intensité intense, essaye de configurer la clé cosmique, et Kevin comprend autant que nous, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais attendez une minute, j'y comprends rien. L'assaut est lancé, et Musclore continue son combat à coups de blaster pendant que Gwildor fait du synthé. Tu crois qu'ils ne nous aiment pas? Non, mais ils se sentent seuls, on leur manque! C'est nul, le film est blindé de répliques de ce style! Ça n'apporte rien, c'est pas drôle et ça casse complètement le rythme déjà très lent. Bon, je dois quand même reconnaître que certains effets spéciaux, notamment de blaster, sont plutôt corrects, mais ça suffit pas à rattraper le film. Gwildor est prêt ? Pas encore, mais la pièce est bien gardée. Ah bah oui, Tila, elle est bien gardée la pièce. Un nain, un flic chauve sans armes, un post-ado avec un revolver face à des blasters, une donzelle en détresse et un mec qui sert à rien. C'est sûr ! C'est bien gardé. Quand tout à coup, pendant la bataille, hors champ, Julie voit quelqu'un. Pendant que Lubick et Kevin se foutent sur la gueule. Mais c'est-il pas la mère de Julie qu'on croyait mort, qu'on nous a dit juste avant? Hein? D'où l'importance de la scène du début du film? Maman, cette chose en métal brillant, avec ses lumières qui clignotent, va la chercher pour nous. It's a trap! Et l'Oscar du personnage le plus crédule de l'année revient à Julie, mesdames et messieurs. Et oui, maman qui est morte n'a rien trouvé de mieux qu'apparaître en pleine bataille pour récupérer la clé. Vous le sentez, vous, le climax foireux, là? Y a pas à dire, elle était bien gardée, la clé, Tila, bien gardée. Les méchants invoquent alors Skeletor dans son camion tulipe. Non content de récupérer la clé, il envoie alors les centuriens de l'air pour capturer Musclore, parce que, franchement, repartir et laisser Musclore sur une terre aussi arriérée qui ne peut pas voyager dans l'espace, c'était beaucoup trop intelligent et scénaristiquement pas viable. Ouais, Musclore qui vole, on sent vraiment qu'il n'est pas à l'aise là. Mais bon, grâce à son véhicule volant, Musclore récupère quand même la clé. Notez encore une fois la calmitude des rues. Il y a une invasion extraterrestre et il y a personne. T'as toujours pas de police, toujours pas d'armée, rien du tout. La Terre, elle est vachement bien protégée. Hein. Bon, finalement, la petite équipe se fait attraper et Musclore se fait avoir comme un bleu. C'est pathétique. Il vient pas de se casser la gueule, là? Faites voir. Mais oui! Il se casse la gueule! Il pouvait pas refaire la scène, franchement. Ça les dérange pas de voir ça? Ou alors, le réal, c'est un génie. Et il a voulu garder cette séquence, comme la séquence du Stormtrooper qui se mange le seuil de porte dans Star Wars. Son petit fail à lui. Bon, alors Kevin annonce que tout va s'arranger, hein, bien sûr, hein, mais franchement, on n'y croit pas. Faut dire que Kevin, c'est pas le plus crédible de l'équipe. Hein. Ah si, vu l'équipe, si, en fait. C'est le plus crédible. Laissez-les. Ils tuent personne, les vilains, mais c'est fou. Ça, c'est du méchant badass. Bon, allez, ciao, merci, au revoir. Et pendant ce temps, Lubick est parti chercher la police complètement larguée. Alors, où elle est, cette armée? Ouais, d'ailleurs, elle est où, cette armée, franchement? Ouh, la jambe de Julie, c'est pas beau à voir. Elle a été empoisonnée par Skeletor. Et Kevin, il est dégoûté, il va pas pouvoir niquer. Mais bon, normalement, c'est le moment où on découvre que Kevin le musicien va découvrir comment utiliser les notes de musique de la clé cosmique.
Attends une minute. Je crois que je m'en souviens. C'est ça. Ah bah voilà, bingo. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais nul. Compositeur. Tu es un maître. Et puis en plus, c'est un maître. Merci le destin. Allez, moment pathos pour booster Kevin. Et la magie du scénario leur permet de trouver tous les outils dont ils ont besoin, bien évidemment. Bosonic, en voilà un. Ah, un redresseur d'octone. Un redresseur d'octone, moi j'en ai un. Ah, quelque chose pour jouer les notes. Bon, il y a un synthé que je peux emprunter à Charlie. De quoi ? Quant à Musclor, eh bien il est à poil devant Skeletor et la sorcière a l'air de moins en moins bien. Je te ferai endurer les souffrances les plus inoubliables. Souffrances inoubliables ? Ah bah je veux voir ça. Wow, le fouet laser, il va vraiment se faire découper le Musclor et... Eh bah non en fait, ils font quoi là ? Il a même pas rictus de douleur. Tu parles d'une souffrance ? Ah si. Bon là il souffre un peu quand même. Bon allez, retour sur Terre avec Kevin qui devient le seul espoir d'Eternia, bien sûr, je pense qu'il mérite sa figurine, mais rassurez-vous, il l'aura pas. Le scénariste tente ensuite de mettre une intrigue autour de Lubick, mais je suis navré, on n'y croit pas du tout pendant que Skeletor devient le maître de l'univers. Il a le pouvoir. Mais Musclor résiste et ne veut pas s'agenouiller. Pendant ce temps, Kevin réussit à faire marcher la clé cosmique, Lubick s'interpose et tout le monde se retrouve sur Eternia. Ils ont même ramené un bout de voiture pour se défendre. Pas con les gars. Et là, ils sont quatre face à une armée et les zigotos de méchants se font dégommer pendant que Malicia décide de se tirer avec Eddie. Sonnez leur prêt. Musclor récupère l'épée magique. C'est le pouvoir. Oui, il va tout péter maintenant, c'est le moment, allez, pif, paf, pouf. Vitesse réelle, attendez, allez, on accélère le truc. Ah ouais, c'est quand même mieux là, non ? Non ? Ouais, non, vous avez raison, allez hop, on saute. Skeletor est vaincu, il a plus le pouvoir, et il reste 5 minutes pour boucler le film. La sorcière est sauvée, et retrouve son apparence de vieille. Lubick a trouvé une femme en 1 minute de présence sur Eternia, c'est encore plus rapide que Nicky Larson. Finalement, Lubrick, ça lui allait très bien comme nom. Ce petit monde rentre chez lui, mais c'était sans compter sur le malicieux Gwildor, qui a plus d'un tour dans son sac, car par le pouvoir de la DeLorean ancestrale, il a envoyé Julie dans le passé, avant que ses parents ne meurent, et donc forcément, elle leur sauve la vie, car il fallait un super happy end de malade. Il est fort ce Gwildor, et oui, parce que non seulement les auteurs ne voulaient pas de mort dans le film, mais en plus ils voulaient même des résurrections. C'est vraiment pour les petits enfants. Allez, merci et au revoir, c'était les maîtres de l'univers. Bon alors c'est sûr, c'est pas un film extraordinaire, c'était même plutôt nul. C'est un nanar. Mais faut pas oublier que c'est un film pour enfants avant tout. Il ne faut absolument pas le voir avec un regard d'adulte. J'en ai fini avec la rétro des maîtres de l'univers. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Moi je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Joyeuses fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. Je reviendrai.